Première visite officielle d'un président rwandais en France depuis le génocide de 1994. Paul Kagame est à Paris. Il a rencontré ce dimanche la diaspora rwandaise et il en a profité pour marteler sa volonté de tourner la page des relations diplomatiques houleuses avec Paris. Lors de Matos. Paul Kagame, superstar. À peine arrivé sur le sol français, le président rwandais s'est offert un bain de foule. 2500 de ses concitoyens ont fait le déplacement des quatre coins d'Europe. Paul Kagame entamera ce lundi une visite officielle de 2 jours en France. La première visite d'un chef d'État rwandais depuis le génocide de 1994. L'occasion de consolider le début de réconciliation entamé en février 2010 lors du voyage de Nicolas Sarkozy à Kigali. Je suis heureux d'être venu ici en France à la suite de la visite du président français au Rwanda. Nous travaillons ensemble pour voir comment échapper à l'histoire, pour avancer. Notre ambassadeur l'a dit lui-même, il y a des gens qui étaient contre l'évolution de nos relations. Moi, je n'accorde aucune valeur à cette forme de politique méprisable. Et les gens qui la pratiquent sont méprisables. 17 ans après, les relations entre Paris et Kigali restent passionnées. Des militaires, des politiques français critiquent la venue de Paul Kagame. Alain Juppé se trouve opportunément bien loin de l'Hexagone, en voyage dans le Pacifique. Le chef de la diplomatie française était déjà en poste au Quai d'Orsay en 1994 et il n'accepte pas que la France ait été accusée par le Rwanda d'être complice du génocide. Mais les Rwandais de France et d'Europe veulent croire qu'une page a été tournée. Je suis française et rwandaise en même temps. Pour moi, c'est très important. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, c'est le pays ennemi, c'est fini. Oui, c'est vraiment très important de renouer avec la France, qui est une grande puissance. Nous sommes avec les hommes d'affaires rwandais qui viennent ici, qui sont venus pour faire les contacts avec les hommes d'affaires français, avec les investisseurs français. C'est un pays en reconstruction. L'enjeu de la visite de Paul Kagame est aussi économique. Après un déjeuner lundi avec Nicolas Sarkozy, le chef de l'État rwandais rencontrera mardi des représentants du patronat français.